Bonjour à tous et surtout, on vous souhaite une excellente année 2017 placée sous le signe de la culture avec notre première sélection de l'année. Film ancré dans son temps, Nerve sort en vidéo. Nerve est un jeu diffusé en direct sur internet proposant de relever des défis de plus en plus fous et dangereux pour gagner de l'argent. Le jeu va virer au cauchemar lorsque deux joueurs, Vi et Yann, découvrent qu'il est truqué. Avec Emma Roberts et Dave Franco. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de gagner. On ne pouvait pas omettre Final Fantasy XV. Dans ce jeu vidéo, vous devenez Noctis, héritier du royaume de Lucis, pour renverser l'armée impériale, libérer votre patrie et reconquérir le trône. Découvrez en format poche, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, prix Renaudot 2015 aux éditions Livre de Poche. Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, l'auteur nous fait vivre sa rencontre avec une femme inquiétante qu'elle n'aurait jamais dû croiser. Fiction ou réalité? Le roman de Gilles Le Gardinier, Quelqu'un pour qui trembler, sort lui aussi en poche aux éditions Pocket. Un médecin exerçant à l'autre bout du monde apprend l'existence de sa fille et rentre pour faire sa connaissance. Opération délicate, d'autant qu'aujourd'hui, c'est une adulte. Plongeons dans le Japon médiéval avec Shikanoko, livre 1, L'enfant du cerf, de Liane Hearn, auteur du Clan des Otories. À l'aube d'une lutte entre clans, Shikanoko reçoit un masque magique pour parler aux fantômes. Il connaîtra les sentiments les plus purs, comme les cruautés les plus viles. Une épopée fantastique sur fond de samouraï aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est terminé pour aujourd'hui, mais n'ayez crainte, on se retrouve le 18 janvier prochain sur la web TV Leclerc et vous.